qu'elles soient, quelle que soit leur taille ou leur activité, toutes les entreprises doivent aujourd'hui anticiper et accompagner les changements, trouver leur place sur leur marché, faire leur transformation numérique et s'approprier les nouvelles habitudes de consommation. Pour relever tous ces défis, elle compte sur les 80 conseillers de proximité des chambres consulaires à leur écoute dans l'entreprise. Les chambres consulaires apportent leurs compétences au service des porteurs de projets qui créent ou reprennent 1650 entreprises chaque année, les appuient, leur apportent de l'expertise dans leur développement et contribuent à mettre en réseau les acteurs du département. Qu'il s'agisse d'accompagner les projets de territoire, de représenter les intérêts de l'économie dans l'aménagement de l'espace, d'œuvrer pour la transition énergétique, de contribuer à la gestion durable de l'eau et des déchets, de valoriser les produits locaux ou encore de contribuer à l'essor du tourisme. Parce que l'économie de demain passe par le savoir, les chambres consulaires favorisent le développement de l'apprentissage avec 1600 jeunes en centre de formation et forment plus de 3000 chefs d'entreprise et salariés chaque année. Mais l'avenir, c'est aussi l'accompagnement des entreprises vers des solutions innovantes. C'est aussi l'appui à la transmission des entreprises pour préserver l'activité dans nos territoires. Agriculteurs, commerçants, artisans, industriels et prestataires de services, les 83 élus consulaires sont issus des entreprises. Ils ont une connaissance approfondie du territoire. Grâce à leur proximité de l'entreprise, les chambres consulaires apportent aux acteurs du territoire des solutions sur mesure et partagées. Chaque conseil est une valeur ajoutée pour le tissu économique et le territoire. Facilitateurs, animateurs ou encore experts, les consulaires sont les acteurs majeurs du développement de la Haute-Loire.